Salut à toi qui regarde la vidéo, c'est TheNatix, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Attendez, j'ai oublié quelque chose. Autant pour moi, excusez-moi, je vais oublier de mettre l'intro. Bon, si vous insistez, bah la voici. Dit lors de la dernière vidéo, je vais vous montrer, je vais vous prouver en fait que avec ce deck, vous pouvez monter à 5000 trophées. Donc on va pas parler, on va tout de suite commencer à combattre. Donc depuis la vidéo, j'ai pas fait d'attaque, j'ai enchaîné, donc voilà. Là en ce moment, je me fais dévorer par des moustiques, donc je vais essayer de rester concentré en espérant. Là, je vais mettre un zap pour stun un peu l'ordre de gargouille. Là, je suis un peu mal parce que j'ai pas mon sorcier de glace, il arrive que maintenant. Mais ça va, j'ai plus de tempo, et là, je peux pas faire de contre-attaque. Mon cochon n'est pas encore prêt. Mais est-ce que mon sorcier de gaz va pouvoir? Non, il va pas pouvoir attaquer. C'est dommage. Bon, en espérant que ma connexion reste stable. Donc voilà, donc pour cette vidéo, je vais vous montrer que c'est possible de monter à 5000 trophées avec ce deck. Ah ben là, comment ça s'appelle ça? Oui, comme je le rappelle assez souvent, je reprends le jeu, donc il y a des cartes, je ne me rappelle plus du nom, par exemple ça, j'ai envie de l'appeler l'ordre de cochon, mais je suis sûr que ça s'appelle pas comme ça. Donc là je me mets en mode noob, donc si vous avez la solution, si tu penses que ça va passer, si vous connaissez le nom de cette carte, vous pouvez mettre le nom dans la description, dans les commentaires. Oh là là, comment ça fait mal! Il se fait exploser là. J'espère qu'il a pas de mineur. Ok, normalement là c'est bon, je suis pas obligé de défendre. Ouais, c'est bon. Bon, on attend patiemment ces petits cochons. Sorcier de glace. Ah, je m'attendais pas à ça. Ah, trop tard. J'ai une latence. C'est dommage. J'ai subi des dégâts inutilement alors que normalement je devais pas en subir. Mais c'est pas grave. Normalement on a mis un peu mal là. Je défends avec. Ok, je mets Valkyrie. Bombardier. Normalement Valkyrie prend les dégâts. Je prépare mon cochon. Et là je démolis tout parce que je pose mon sorcier de glace et je vais pre-shot l'ordre de garde. Ok, c'est parfait. Ah non! Il a l'armée de squelette. Ah punaise, il continue à appuyer, allez le bombardier. Ok, c'est bon, là on a la tour, allez le bombardier. Ah c'est bon, les dégâts de zone, on aime ça. Oh yeah, allez, wash. Il a toujours pas compris que ça passe pas. Oh putain, ça fait tellement mal, le mini PK max. Et le combat est déjà fini. Bon, ce fut un bon combat. Donc voilà, j'ai présenté le deck pendant la première vidéo, donc j'ai essayé de monter aussi, mais quand j'ai vu que la vidéo faisait déjà 15 minutes, je crois, plus 32 trophées. On va pas dire non. En plus là, je viens de gagner ma guerre de clan, donc c'est pas mal, plus 109. Allez, go, on parle pas là. Ok, je peux même pas dire comment ils s'appellent. Ce sont des hiéroglyphes. Non, mais en fait, c'est un nom arabe. Donc voilà, bon, c'est parti. Ça se trouve, c'est pas du tout ça. Mais au pire, on s'en fout. Là, on est là pour rush les 5000. Donc là, je fais un peu de la merde. Là. Normalement, j'aurais pas dû faire ça. Je vais suivre une contre-attaque de malade. S'il arrive à mettre deux coups, moi je serais content. Ouais, j'ai pas regardé combien de coups qu'il a mis. J'étais plus concentré à essayer de défendre ce qui arrive. Normalement, si je place mon mini PK, ouais, c'est bon. Normalement, mais c'est positif, c'est que du positif. Comme ça, je pourrais poser mon combo. Allez, le bombardier. Ok, c'est bon. Deuxième coup. Ok, c'est bon. Troisième coup. Non, faut pas arriver. Bon.
Je vais pas vous mentir, là, je sors d'une journée de au boulot et j'en ai vu des choses. Allez, c'est parti. Ah, ballon. Ballon. En tout cas, j'ai eu que de bons retours par rapport à la dernière vidéo. Franchement, vous êtes super. J'allais dire, vous êtes super les gars, alors qu'il n'y a pas que des mecs qui regardent la vidéo. Voilà, c'est voilà quoi. On l'a explosé là. Il n'y a plus rien. Bon, je sais pas si je pousse un peu. Il va mettre ça à tour. Mets ta TDE. Vas-y, mets la ta TDE. Mets-la. Tu la mets pas. On va push. Hein. Fais le forcing. Il me la donne la tour. Il a rage quitte. Bon, si tu veux. Bon, bien joué quand même. Bien joué. En fait, ça ira vite. Il est déjà. Ouais, ça ira vite. On va le faire, les amis. Je pensais faire plusieurs épisodes, mais là on est déjà à 4782. Bon, on y va. En même temps, ça me fait farm parce que j'ai besoin de passer les gargouilles niveau max. Mais c'est assez embêtant. Donc, c'est parti. Est-ce que je fais mon combo pour le stresser de le début? Allez, on y va. On peut par le zap. On va voir si ça passe. Petit zap. Pouf. Il a BDF. Mais BDF pas assez up. Ah, je sais pas si je pousse avec les gargouilles. Normalement, il a utilisé son zap. Le débit auquel je parle, on aurait dit un match de foot. Ah putain, ça va faire mal. Si j'arrive à. Ok. J'aurais dû mettre le mini PK plus à l'avant, comme ça, le cochon n'aurait pas touché la tour. On aurait pas figé. Allez, un coup. Non, il a pas donné. Ok, le bombardier. Par contre, là, je suis un peu dans la merde. Puisque mon zap. Ça va. Bon, on va attendre bon. Et en même temps, j'ai envie de pousser. Je suis un genre de gars, je pousse. Mais ils ont tous TDE, c'est pas possible. Bah, de toute façon, elle est où? Il a posé son armée de squelettes sur la Valkyrie pendant que la Valkyrie faisait son. Lançait son. Comment ça s'appelle? Son coup. Donc c'est juste super. Par contre, monsieur, si tu penses pas c'est comme ça, voilà quoi. Revois ton combo. C'est dommage que je peux pas up cette carte. Franchement, elle est juste. Ah, mais mince! Il est chaud avec le feu à gobelin. Il y a une carte que j'ai envie d'intégrer dans mon deck. C'est le miroir. Je l'ai niveau 11. Et je peux le passer niveau 12. Si ma mémoire est bonne. Donc, je sais pas. Je verrai. Franchement, je verrai. Donc, si vous avez des decks miroir. N'hésitez pas à les proposer dans les commentaires. Je suis con. Ah mais il est con aussi, il m'a suivi. Il a lancé son armée de squelettes sur ma Valkyrie. Serait-ce 3 couronnes? Ouais, 3 couronnes. Ok, easy. Ok. Merci. Super combat à toi aussi, bro. C'était un bon combat. On enchaîne. 4800. Un petit jeton. Bah, c'est super. Je vais profiter pour demander à Sorcier de Glace. Parce que j'ai besoin de le maxer. Qu'est-ce qu'il y a de bon? Ouais, que de la merde. Échange. Bon, on va faire l'échange après. Ok, on y va. Rush. On est là pour rusher. Je vous montre qu'avec ce deck. En plus, jusqu'à maintenant, j'en ai fait 0 défaite. Donc, je tiens à le préciser, c'est 0 défaite. Et si vous laissez. Bon, allez, on push, vous allez voir que vous allez obtenir les mêmes résultats. Par contre, là, je fais quelque chose d'un peu risqué. Ouais, ça passe. Les dégâts qui. Ah ouais! Les dégâts à droite. Par contre, là. Ouais, il faut faire attention aux dégâts de. Du sorcier, donc évitez de mettre votre troupe à côté de la tour.
parce que le sorcier va infliger des dégâts non seulement à votre troupe, mais à votre carte. Donc faut essayer de bien placer vos cartes, c'est ce qui vous permettra de gagner, de pas perdre. Parce qu'en vrai c'est stratégique, il faut pas poser vos cartes n'importe où. Par exemple mon cochon, j'aime bien le poser ici. Parce que ça saute la rivière. On va poser ça. J'espère qu'il va pas mettre son sorcier. Est-ce que je mets le zap? Je mets le zap. Il va mettre son sorcier. Est-ce qu'il met son sorcier? Oui, il met le sorcier. Mais la garou, il va donner deux coups. Un coup. Ok, c'est bon. J'ai ma Valkyrie. Ça passe pas. Là, on est plutôt bien. J'ai Valkyrie bombardier pour défendre. Là. Aïe! Ah ouais, il a pas ciblé. Ah d'accord. D'accord. Il n'a pas attaqué la Valkyrie, c'est pas grave. De toute façon, je vais pousser avec le cochon. Hein. Je pousse. De toute façon, c'est au sol. Là. Ça tourne là, ouais. C'est au sol. Ok, bon. On continue. Je pense que on va rush. On va rush les trois couronnes. On va rush les trois couronnes. L'appareil n'a pas encore été configuré. Excusez-moi, les gars. Il faut vraiment que je désactive ce truc. Pensez à me le dire dans les commentaires. D'ailleurs, ça m'a déconcentré. J'ai pêché à gauche. Alors que je viens de vous dire que je tente les trois couronnes. Bon, c'est pas grave, on va essayer de se rattraper. Là, je peux pas poser. Ok, d'accord, il pose tout. D'accord. Ok, bon. Ok. Là, normalement, je pose la Valkyrie. Je pose mon mini PK. Je pose le sorcier pour dévier le PK. Là, il a posé sa Valkyrie. Je défends avec mes gargouilles. Ok, par contre, je vais prendre des dégâts. Je vais prendre des dégâts si je zappe. Ah ouais, là, il pose. Il n'y a aucune stratégie. Je peux chercher des réponses sur le web. Mais putain, excusez-moi. Tais-toi. Tu es en train de gâcher ma vidéo. Ah là là. Et comme c'est un rush, on peut pas couper au montage. Bon là en fait je prends mon pied. Là je prends mon pied. Hein. Je fais une petite vidéo. Là, je vous montre mon rush. On ouvre un coffre. Allez, on continue le rush, on continue. Allez, on est presque à 5000. Non, déjà on est presque à 4009. Je crois que je raconte de bêtises. Et voilà. Bon, si vous voulez venir dans mon clan, la proposition tient toujours. Il n'y a pas de problème. Il faut juste être. Ok, d'accord. On va dévier ton cochon. On va mettre un zap. Et moi je vais poser. Ok, c'est bon. Faut juste être à 4300 trophées minimum ou 4600. Je ne me rappelle plus. Il faudrait que je consulte la description du clan. Mais normalement, je crois que c'est 4300. À moins qu'il y ait un chef adjoint qui est modifié. J'espère que non, parce que sinon moi je le mets dehors. Non. Je rigole. En plus, il y en a qui regardent la vidéo. Ah là là. Ça passe pas. Est-ce que je peux poser mon cochon? Ah, il a pris du temps. Mon zap. Si j'ai mon zap. Ah, ouais, c'est bon ça. Allez, le sorcier. Deux coups. C'est bien ça. Si la flèche, je suis dans la merde. Flèche ou zap, je suis dans la merde. Ça va. Voilà, ça c'est un bon adversaire ça. Je sens la difficulté. Je ressens. Trop souvent les gens font pas la différence entre ressentir et sentir. Ok. Je parle tellement que. Ok, c'est bon. Ah, il a un dégât assez rapide. J'arrive pas à poser mon cochon. Et comme je vous l'ai dit dans la première vidéo, le deck est essentiellement axé sur le cochon. Donc si vous n'arrivez pas à le déployer, vous n'allez pas pouvoir. Ok, c'est bon. Elle est au sol la tour. Oh, il manquait plus que ça. Il faudrait mettre un système. Je sais pas si vous connaissez le jeu, mais oui, vous connaissez le jeu. League of Legends. Faudrait mettre un système de ban en fait. Comme ça, moi, il y a des cartes, je vais les ban direct. La question ne se pose même pas. Par exemple,
Il est plus sorcier. Les bâtiments en face, ça me gêne pas trop. Parce que j'arrive à gérer. J'ai des cartes assez bien maxées. Et ah ouais, il a déjà cochon. Ça cycle vite en face. Hein. Ok. Tu as fait une erreur. Tu as fait une erreur. Tu aurais jamais dû jouer. Bon, là, je laisse la princesse. Ouais, elle est embêtante, la princesse. Je l'oblige à défendre à gauche. Comme ça, le temps est presque terminé. Donc, il est obligé de défendre. Et moi, je sais que j'ai win. Et voilà, je pose ma TD. Voilà, bien joué, quoi. Il n'y a pas de problème. De toute façon, j'ai posé ma TD. Rien ne passe. Tu peux essayer de passer, ça passe pas. Et vous vous rendez compte quand même que le deck est juste énorme. Il est juste énorme. Si vous avez regardé la première vidéo, depuis la première vidéo, je n'ai pas perdu un seul match. Il n'y a rien d'intéressant à prendre. C'est énorme. Je ne vends pas du rêve. C'est pas du fake. C'est énorme. C'est juste énorme. Là, je suis gold. Allez, rush, 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 rush. Ça prend trop de temps. Je veux les 5000. En plus, il y a mon frère qui est dans le clan. Et lui, il a 5000 trophées. Il a 5000 trophées. Et il m'envoie un screenshot et il me dit bon, c'est quand tu montes là. Donc là, vraiment, je vais lui montrer que je vais monter. C'est assez répétitif ce que j'ai dit, mais pour le coup, voilà. Allez, allez. Ça fait longtemps que j'ai pas vu ça. Ah ouais, les esprits de feu. C'est bien ça. Ah ouais, il joue bien. Bon, allez, allez, allez. On stack un peu l'élixir. On termine pour, on attend qu'il déploie ses troupes. Et on va l'exploser la tour là. On va tout ravager. Là, je sais que normalement après la Valkyrie. Il y a le cochon qui arrive. On va voir si c'est bien ça. Ouais, c'est le cochon. Ok, ça, ok, je connais mon cycle. On va pouvoir on va pouvoir mettre de l'action sur. Ah mais il réfléchit pas ou quoi? Il pose son bâtiment. Ah, j'ai compris. J'ai compris. Tu as cette carte. Ah, ok, 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 ok. Ok, bon, on va essayer de voir comment ça se passe. Si je tombe pour souci de glace, niveau 11. Au niveau 11, j'ai pas infligé beaucoup de dégâts. J'ai rien contre les niveaux 11, attention. Mais les tours sont en moins de PV. Non. Allez, viens le petit géant, putain. Le sorcier. Il n'a pas dû mettre les gargouilles parce qu'il aurait pu tanker. Ah ouais. C'est ce qu'il attendait. Ok. Bon, de toute façon, son géant va pas passer. Valkyrie, mini PK. Ensuite, cochon. Est-ce que j'aurai le temps de mettre les gargouilles? J'espère qu'il n'a pas son. Comment ça s'appelle hein? Le sort de foudre. Ok. Il n'y a plus de tour, 30 secondes avant la fin. Je patiente. Serait-ce le meilleur deck du monde? C'est parce qu'ils m'ont pas encore mis un golem en face. Golem ballon. Les gens qui aiment bien jouer, comment ça s'appelle? Ballon, ils mettent le bûcheron en avant. Non seulement ils mettent bûcheron, mais ils mettent un sort de rage en plus de ça. Donc, pour le coup, c'est eux qui explosent le tour. Ok, notre victoire. On est sous la bonne voie, les amis. On est sous la bonne voie. Oh yeah. 4900. 4900 trophées. 4900 trophées, plus que 100 trophées. C'est bon ça, c'est bon ça. Niveau maître. Je vous montre où est mon frère. Il est plus haut. En plus, il est plus haut. Ah ouais, il est. Attendez, c'est une blague. Il est là en fait. Il y a 5100.
133. Je ferai une autre vidéo pour montrer, pour monter. C'est combien de trophées là pour monter? C'est indiqué. Ça doit être 5300. Ouais. Allez, on continue. Ça va, la vidéo fait 20 minutes. Mais heureusement, j'ai pas continué à rush dans l'autre vidéo. Vous imaginez, vous tapez une vidéo de 30, 40, 50 minutes. Non, c'est pas tout ça. Bon, sorcier de glace, on met la pression. Est-ce qu'il a boule de feu? Ok, on décale de l'autre côté. Sa BDF est assez bas level. J'ai fait un truc de tellement con en fait. Est-ce que je défends? Bah ouais, j'ai peur du gel. J'ai peur du gel. Quand vous avez de l'expérience par rapport au jeu, c'est-à-dire que bon, vous avez vu tellement de combos, tellement de positionnements de cartes inattendues. Vous faites attention, vous risquez pas parce que chaque dégât infligé à votre tour vous rapproche un peu plus de la défaite. Allez. Du coup, oh, ok, super. Par contre, le mini PK, ah, il a poison. S'il fait un combo mini PK poison et j'ai pas d'élixir, j'ai seulement les gargouilles et le zap, il peut arriver à faire mal. Mais c'est à lui de bien placer ses cartes. Bon. Allons-y. C'est quoi, il a abandonné? Ah oui, dans l'autre vidéo. Ah ben oui, quand on parlait du loup. Golem. Mais il a posé le golem trop tôt. Donc là, je peux défendre tout ce qui vient derrière. Il peut bien poser n'importe quoi. J'ai de quoi défendre. Son golem prématuré, il aurait dû le garder dans le ventre de sa mère. Oh, finesse. Est-ce que je le coupe au montage ou pas? Ok, mini PK. BDF. Sa boule de feu n'est pas assez max. Hein. Elle n'est pas assez maxée. Hein. C'est comme. Voilà quoi. Il me caresse dans le sens du poil. On va dire ça. Et moi qui mets mon mini PK dans la zone du poison. D'accord. À tête désespérée. D'accord. Bon, en attendant, je vais pêcher à gauche. Hein. C'est bon. Est-ce que je... Non, je jouerai pas la tour. Bien joué. Il y a quelque chose que j'aime bien faire là, mais ça c'est vraiment nos respects. Je pose ma TD comme ça au milieu du champ de la lane adverse. Bon. Plus 30 trophées. Donc normalement là, arrivé à ce stade, 30 trophées. Voilà, il faut que je fasse 3 victoires et c'est bon. 0 défaite. On dit souvent qu'il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Je sens mal cette game. Je sais pas pourquoi, je sens que c'est la game de la défaite. Donc on va tout faire pour que ce soit pas le cas. Par contre, je me fais dévorer par les moustiques. C'est juste incroyable. La BDF, j'aurais dû faire comme j'ai l'habitude de faire. Rush de manière assez agressive. Mon petit zap. Défend. Ah! PK. Ouais, c'est gérable. C'est plus que gérable. PK 11. Ça va fondre. Comme le fondant au chocolat, ça va fondre. J'aurais bien fait un gâteau au chocolat. Je suis un peu gourmand aussi, il faut le savoir. Je gaspille de l'élixir là, qu'est-ce que... Allez, Valkyrie. Il a PK. C'est dommage, j'ai posé mon Valkyrie. Il va jouer sorcière PK.
sort aussi au PK, il va mettre le PK là. Pose ton PK. Il a con quoi. Il aura quand j'aurai ma TD. Ok, y a pas de souci. Y a pas de souci. Ouais, là je. Ah ouais, je m'attendais pas à un J, hein. Si je place deux coups, je suis content. D'accord. Mission réussie, avec succès. Ok. Et garde. Ah tiens, c'est la première fois que je vois cette icône. C'est moche. Ok. Pourquoi je fais ce genre de choses? Moi aussi je me zappe. Ah ouais, les dégâts que tu as pris. Allez, pose ton géant. Ok. C'est ce que je voulais. Allez, bombardier, fais le taf. Ok, joli. Ok, c'est bon. C'est bon. Cochon. C'est bon. Tu rigoles? Je vais t'exploser la tour. Ah, il a un bâtiment. Je déteste la Tesla. Petit zap. Et on prend la tour. Il est bon. Faut le dire, il est bon. Il va poser son géant. Ouais. C'est bien. Sauf que moi, je pose un Viking. Mais pourquoi la TDE? Tu sais déjà le géant. Continue. Allez, faut que je pousse. Là, il va mettre... Et là, je prépare mon zap. Ah ouais, ça passe pas. Je vais devoir essayer de finir à la TDE. Mais pas la TDE. Au zap. Parce que ça passe pas. Ça veut vraiment pas passer. Donc... On va essayer de l'empêcher de poser son géant, etc. Ouais, il attend. Il veut l'égalité. Il cherche l'égalité. Allez. Ok, c'est bon. Bien joué. J'aime tellement cette icône, mais j'évite de la poser parce que ça fait trop la personne qui se la pète. Eh ben voilà, quand on parle du loup, il est connecté, donc on récolte, on a combien de trophées là, 4959, est-ce que ça c'est une mise à jour, non, donc vous voyez, on a commencé la vidéo, on était à 4721, donc, j'ai toujours le deck, on enchaîne, C'est parti. Donc, comme vous l'aurez compris, si vous avez besoin d'informations concernant le deck, vous me posez des questions dans les commentaires. BDF tout de suite. Dans les commentaires ou en privé, pas de problème, je réponds. C'est instantané. Ah, là, il y a du niveau. Il y a du niveau tornade. Je sens que cette carte va me mettre en difficulté, mais il a du mal, ça se voit, il prend du temps à bien positionner la tornade, donc du coup mon cochon a le temps de donner un coup. Donc si j'essaie de gratter la tour comme ça, aïe, mes tours ont plus de PV que sa tour centrale, sa tour du haut. Donc là, je voulais pêcher un peu, mais... Il a son PK, décidément les PK sont de sortie ce soir. D'accord, t'as mis ton cochon, ta BDF. Je pourrais pas poser mon cochon. Quoique. Ouais, là il a la tornade. J'aurais pas dû. Ah, il a pas joué tornade? Ah, mais c'est mal joué de sa part. Je suis pas du genre à envoyer des messages un peu. Pour déstabiliser l'adversaire ou bien l'enfoncer, mais là, et là il pose son gel. Alors ça aurait été bien de finir son game avec du gel. Bon. J'ai fait une erreur là. J'ai posé mon sorcier de glace. Il a abandonné. Bon allez, je vais pas durer la vidéo plus longtemps.
PK 13. La petite, ah, j'ai pas eu le temps de poser la TDE, la petite marque de fabrique. Plus 31. D'accord. Plus 31, plus 31. 4990. Donc je sais pas si vous vous, rendez compte de ça, les amis. Je gagne la game. Je suis à 5000. Je gagne. Je suis à 5000. Donc allons-y. Allons-y. Là on est chaud. Niveau 11, il s'appelle Lucky Star. Lucky Star, mais je vois pas bien avec le. Ah ouais, les barreaux d'élite, ça faisait longtemps. Je suis trop content. Allez, petit bombardier, on va faire la contre-attaque avec le cochon et le sort de. Et le zap. Normalement là, ça passe. À moins qu'il y ait un bâtiment, ça passe. Ah, il défend pas en plus. Je voulais, j'avais tellement envie de mettre. Ouais, c'est bien ça. On a la tour. On a la tour. Est-ce que je la joue défensif ou bien je la joue offensif? On va faire les deux. Eh oui. Eh oui. Eh oui, on a de quoi défendre, attaquer. Ah, c'est super mon gars. C'est super. Seul problème, c'est que j'aurais dû le mettre dans le coin. Ah, il y a une TDE. Il y a une TDE. J'ai voulu jouer le bourrin en essayant de jouer rapidement, mais si j'avais le cochon, j'aurais pu jouer dans le coin. Ici. Mais je l'avais pas. Bon. De toute façon, il attaque pas. C'est lui qui a besoin de gagner. C'est lui qui a besoin de prendre ma tour. Je vais pas non plus attendre parce que bon, c'est. Ah. Golem 12. Il envoie du long, mais je vais le forcer à lancer et à défendre à droite. Faut qu'il défende à droite. Et oui, tu dois faire un choix. Et oui, tu dois faire un choix. Il a joué flèche. Si j'arrive à poser Valkyrie pour son sorcier, non, ce sera pas la peine. C'est gérable. Non, c'est gérable. Ah non, ça fait trop mal. On pose la Valkyrie. Et là, on essaie de soutenir la Valkyrie, mais je pense pas que ça va passer. Ouais, il a soulevé ses barbares d'élite. J'allais décaler à droite avec mon cochon. Tiens, je te pose le mini PK 13. Ça explose tout là. Ça explose même ton mini PK. Et là, je pose mon zap. Et là, c'est bon. Ah oh, punaise, défends avec Golem. J'aime pas les gens qui font ça. Je vais attendre parce que je sais il va vouloir lancer sa roquette, donc je vais attendre la dernière minute de la dernière seconde. Ah, ça va faire mal là, il faut se préparer à défendre. Là je prépare mon zap. Ok, c'est bon, zone nettoyée. Là, est-ce que j'ai le temps de prendre la tour de gauche? Acte désespéré, c'est pas grave. Bien joué. Ok. Objectif rempli avec succès, je pense. Je suis pas obligé de vous le dire. Voilà. Nouvelle ligue atteinte. Nouvelle ligue Bostokov. 5019 trophées. Donc, je l'ai fait. Je vous ai montré qu'avec ce deck, on peut monter à 5000 trophées. Et en plus, tout ça, sans perdre un combat. Journal d'activité. Vous avez vu? Je ne mens pas. La défaite là, bon, comme je le dis, c'est 2v2. Là, c'est pour le. Comment ça s'appelle? Le défi qu'il y avait là, le truc là pour le gobelin, ça, je m'en suis explosé. J'ai pas apprécié. En plus, cette carte elle est bof, je la trouve pas bon. Voilà, en tout cas j'ai rempli mon objectif. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce que vous pensez de ce deck, si vous l'avez essayé, qu'est ce que vous voulez rajouter dedans. En tout cas, c'est tout pour moi, c'était Zonetix. Oh yeah.
yeah.